Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance photo en extérieur. Pour cela, j'ai pris ma tulipe Aliénor. J'ai choisi de prendre mes photos dans mon jardin. Tout d'abord, je positionne Aliénor dans un endroit plutôt ombragé pour éviter les reflets du soleil sur son visage. J'essaye de trouver une position stable en utilisant un pic à brochette. Vous pouvez également utiliser une fourchette ou... Enfin, comme ça, on enfonce le pic à brochette dans le sol et ça ne se voit pas. Lorsque la tulipe est bien positionnée, je remets correctement sa wig à l'aide d'une brosse à dents propre. Cela évite que les petits cheveux se mettent devant le visage et gâchent la photo. Je prends ma photo. Ensuite, je change d'endroit pour rendre plus intéressante ma séance photo. Ici, je place ma poupée pour faire comme si elle sortait des grandes feuilles. Donc pour cela, je positionne ses jambes, ses bras. Au passage, je remets sa perruque. Et lorsque la posture d'Aliénor me plaira, je mettrai le pic à brochette pour la soutenir. Ainsi, elle aura une position stable. Donc vous voyez, il faut vraiment ne pas hésiter à prendre un angle qui vous plaît pour prendre la photo. Ensuite, je décide de prendre ma poupée en plein soleil. Il ne faut pas le faire trop longtemps pour éviter que la poupée jaunisse avec le temps. Je n'ai pas besoin de poser la poupée sur le sol. Je la tiens à bout de bras et ensuite je n'ai plus qu'à cadrer son visage. Et lorsque la pose me plaît, je prends la photo. Également, pour les débutants, on peut asseoir la poupée pour éviter qu'elle ne tombe. Pour cela, il suffit de trouver le point d'équilibre. Lorsque la poupée est bien stable, il suffit de prendre la photo.